Je suis entouré des deux meilleurs coachs du championnat, sans doute, qui vont se présenter. Patrick Furet, enchanté. Stéphane Prosper. Je vais lui demander pourquoi ils sont là. Ils vont dire certainement parce qu'on s'est mis d'accord de travailler ensemble, mais quelle motivation, quel objectif, hein? Pourquoi on est aussi haut aujourd'hui? La première des choses, c'est parce qu'on partage des valeurs communes. Ça c'est intéressant, c'est que le challenge à relever, il est hyper important. Les valeurs du club sont des valeurs qui nous ressemblent. Et ensuite, on a un objectif commun, c'est de donner le meilleur pour récolter le meilleur. Je crois que le Castres Olympique, c'est une équipe qui est dans la capacité de jouer les premiers rôles dans le top 14, et c'est ce qui m'a attiré dans ce projet-là. Et dans mon parcours de vie et de rugbyman, j'ai jamais eu l'occasion et le bonheur de toucher le Brennus. Voilà, je suis un peu égoïste à ce niveau-là, mais c'est mon objectif personnel, et j'espère que c'est l'objectif collectif et du staff et de l'ensemble du groupe. Pour un ancien joueur de l'institution, comment tu as trouvé le club, hein, depuis, je sais pas, ça fait 17 ans, 18 ans, hein, qu'il y a quoi de différent, tes premières sensations au club, comment tu te sens? En termes de l'infrastructure, de la logistique, on voit vraiment que le club est rentré dans une ère professionnelle avec notamment musculation des appareils de pointe, le centre d'entraînement. En termes de terrain, n'a pas beaucoup changé, mais l'infrastructure au niveau des bureaux, de la salle de vidéo, de tout ce qui avait pu être fait en très peu de temps, montre que le club veut grandir et a grandi. Ok, mais Stéphane, dis-moi, là on est à 3-4 entraînements rugby déjà, les spécialistes d'attaque, comment tu sens les joueurs? Je suis agréablement surpris. Agréablement surpris parce que ces joueurs ils ont la capacité et les moyens techniques pour pouvoir déplacer le ballon. Voilà, moi c'est ce qui me plaît dans mon idée du rugby, et c'est ce qu'on va s'attacher à travailler sur la pré-saison. Je crois qu'on fait un bon trio, hein, plus City. On parlait pas de City parce que City il était déjà au club. Mais je crois que les premières sensations qu'on a eues, ils sont bonnes, on est soudés, on échange beaucoup, on est dans les partages, et on a tous les trois les mêmes objectifs, que c'est faire grandir l'institution et amener le club le plus loin possible.